C'est parti. Notre prochain invité est Sylvain Abesson, journaliste. Il nous parle de la préparation donc, de ces états généraux. Vous avez fait partie des commissions qui ont préparé la préparation. Absolument. Alors, comment est-ce que ce travail, comment est-ce que ça s'est fait Il n'y a rien de simple dans le jeu, parce qu'il s'agit de dresser les tâches de l'État. L'inspecteur, c'est une nouvelle unité dans le cadre de l'ONU. Lorsqu'il s'agit de dresser un état de lieu, il n'y a rien de simple. Mais je dois dire qu'on a senti une réduction de la part des professionnels de la population, de chez nous, également. D'aller dans le sens de la refonte de la réforme globale de l'exercice de la communauté de la les travaux se sont déroulés dans un domaine. Donc quand il a vu que c'est pas solde, est-ce que vous avec un objectif de résultats concrets, donc présenter aux décideurs qui jugeront, qui pourront en évaluer la pertinence et l'opportunité. Les travaux se sont déroulés pendant l'analyse était profonde, mais elle a été également féconde. Parce que lorsque nous allons regarder l'ensemble des pré-rapports, des études qui ont été dressées, même ces travaux de la loi qui pour la recherche et défendre mentale, et les résultats auxquels nous sommes parvenus, nous devons présenter aux décideurs des résultats à nos yeux satisfaisants. La communication ne se porte pas grave. Elle est un peu à l'image. Il y a deux visages. D'abord, la communication, l'exercice de la métier, la communication est garantie par la loi, c'est-à-dire la constitution. Et cet exercice est également encadré. L'exercice au quotidien du métier des métiers de la communication. C'est-à-dire que nous avons identifié. Il s'agit maintenant de savoir, à partir des éléments qui fâchent, de tout de suite de faire des propositions aux communications. Ce travail de fond a été fait. Je vous assure que vous ne pouvez pas dessus. La communication se porte pas mal, elle fait son chemin, elle s'adapte aux standards internationaux. Parce que nous devons vivre dans le monde, et nous devons être dans le monde. Donc cela laisse tomber de meilleures perspectives pour l'avenir des jeunes. Absolument. Nous sommes dans un vaste programme de réforme. Réforme de l'audiovisuel public, réforme également de l'univers pour la réinsertion. Et nous avons de bonnes chances d'y arriver à terme avec des résultats vraiment satisfaisants. Et l'ensemble des parties, aussi bien les décideurs que également les professionnels, nous sortirons par la dessus. Merci Sylvain d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir visité le club de la liste. Merci. Allez, à très bientôt. Je vous encourage dans cette conférence. Merci. Merci.